Cher Dobson, il est temps pour nous de faire ce que le Seigneur qualifierait de nettoyage du mal. Et ce que mon pauvre frère George, Dieu et son âme, qualifiaient de tabassage à la manière Alabama. Vous croyez qu'on risque d'y laisser notre peau? Ce n'est pas dans mes prévisions. Alors colle-toi bien ça dans le crâne et surtout n'en démords pas, ok? Donc, une nouvelle tentative pour la veine de l'air chaud, cette fois-ci jusqu'au fond, avec lui. Salut. Alors, c'est pas qui c'est. Si tu commences à gamberger là-dessus, tu vas retourner voir ta mère dans un sac plastique. C'est clair? C'est clair, chef. Et lui? Oh, tout le monde le reconnaît. C'est lui. Voilà, ce coup-ci j'ai pris le GPS parce que... Alors, on vient de trouver l'entrée. La dernière fois, on a crapahuté une heure et demie, même plus. Ouais. I'll search every space. Reach into the dark. Reach into the dark. C'est plus facile qu'avec les gros sacs, hein. Ouais, putain. Moi, j'y suis allé à reculons. Mais... À reculons? Faut que je tire mon sac aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas où, là? Une promenade de santé. Mais je crois que je me suis trompé, ouais. Ouais, je me suis trompé d'adresse, là. Non, la FNAC, c'est fermé le dimanche. C'est fermé? Ouais. Ah, comment on fait demi-tour, là, alors? Bon, bah, vous reparlez, par où vous êtes. Au revoir. Au revoir, bye bye. À lundi. Ah, c'est bon, hein.
vendu. J'aurais dû pas mettre ses chaussures. Pourquoi? Parce que les autres c'était montante et ceux-là ils ont des trous, tu sais. Ouais, les autres. Ouais. J'ai l'impression. Hein. Ouais, d'accord. Arrivé. Ouais. Ferme-le. Merde, je suis con. Pourquoi tu perds quoi? En douceur. Hein? Parce qu'en fait, je dois regarder moi, mais... Tu vois, il fallait que je batte. Ah, il est vide, quoi. Ça, ben voilà, avec le tien, j'éclaire bien. Ouais. Avec le mien, même mes couilles, quoi. Voilà. Bonjour. Vous voulez pourquoi? Pour la FNAC, c'est ça? C'est ça, pour les soldes. Je veux aller là où il n'y a personne. Je vais être le premier client, putain. Bon, ben là, vous êtes dans... M'aurait-on menti ou quoi? Vous êtes arrivé dans le jardin des petites bites. D'accord. Alors, faut faire gaffe pour comment ça se voit. On pose son cul parce que ça craint. Ok. Il y a tout petit kiki là, partout. Bon, on fait une pause café ici, là. Ouais. Tu veux que je te dise ce qui va se passer, ok? Pas ton pot aussi. Donc là, nous sommes là, en stand-by, ici, après le P12, là, dans le jardin des petites bites. Ouais. Le jardin que Benjamin aime bien. Toi.
Ensuite, eh ben, il nous restera à monter là. Et après, la salle des pirates ici. On descend, moins 212. Mmh. Et on va crapahuter dans cette rivière souterraine. Voilà, sur ce. À la santé de. Hein ? De Jack. De Jack, à la santé de Jack. C'est bon ? T'es arrivé là ? Ouais. Ok. Et c'est bon, Seb, le sac, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Non, mais sinon, tu galères, je vais bien. Sinon, on va attacher une corde. Hein ? Ou alors, il y a un moyen, c'est attacher une corde. Au pire, je l'attache à la longe. Et puis, je lui glisserai entre mes jambes. Bon, si tu le sens, ok. Autrement, on trouvera un moyen. Le problème, c'est qu'on peut pas mettre ses pieds en bas, quoi. Mais non, faut plutôt rester en allongé, quoi. Ouais, passe-moi le temps, ça, si tu peux. Attends, parce que là... J'ai l'impression que j'ai tombé. Bonjour. En fait, j'ai eu la longe qui était bloquée sur un petit bout de rocher, je pouvais pas descendre. Et pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai pas vu. Il est 1h20. On dirait des tanks, des temps géants qu'il y a derrière au-dessus de toi. Là. Peut-être que. Ça se trouve, le passage que j'étais tout à l'heure, ça se trouve, ça venait par là, non ? Putain, ouais, c'est des poils. Regarde, c'est des poils. Mais dès que tu touches, ça casse.
sur mon putain de portable, ça me saoule. Je crois que tu l'as pas laissé à la voiture, mon pote. Parce que j'en ai un bleu, je prends des photos. Ah, tiens, éclaire le vieux. T'es qui, toi? Oula, qu'est-ce qu'il fait? La toupie. C'est Spider-Man. Tiens, bah, téléphone, vas-y. Téléphone à maman, tu lui dis que tout va bien. Ah, on n'y voit rien là-dessus. Là, on est riche, c'est bon, on a trouvé des diamants, là. Ah. Mmh. Le poil argenté. Plus besoin de bosser. Il y a du cactus. Mmh. C'est bizarre. In Xanadu did Kublai Khan a stately pleasure dome decree, where Alph the sacred river ran, through caverns measureless to man, down the summer sea. Ouais, bah tu... Attends. Bon, ce côté-là, là. Hein? Donc, comme ça, après, il y a une corde encore qui continue, là. Ouais. Et tu passes sous mes jambes, tu vois. Tu passes sous mes couilles, quoi, tu vois. Xanadu, lui, Kublai Khan, s'édifia un fastueux palais, à l'endroit où l'Alphée, la rivière sacrée, se lançait. Par des abîmes insondables à l'homme, vers une mer sans soleil. Ah! Alors, vaste galerie. C'est aussi grand que la Fnac, mais bon, il n'y a pas. C'est pas la Fnac.
Non, Sébastien, non, on n'est pas à la FNAC, Sébastien. Toi là-bas? Je fais mon rôle de photographe. Ah ouais, ta mission photo. Ouais. Ma mission. Donc là, pour cette mission-là, il a pris un photographe avec nous. Je prends mon rôle très à cœur. Ouais. Je veux me reconvertir dans la photo. Merci. Que je vais mettre en vente à la FNAC. Donc là, on est en pause de déjeuner. Alors Benjamin, depuis tout à l'heure, il nous raconte plein de trucs qu'on ne savait pas quoi être de sa vie. Je me repose. Je vais prendre cette putain de remontée. Là. Voilà. Ouais, mais c'est ça mon gars. Ça fait les muscles. Là-dedans, mais on a rebroussé chemin, puis on doit être par là. Maintenant, on va revenir, on va remonter. Il est 15h38. Et voilà. C'est fait. Fin de la reco. Mmh. Prochaine fois, ben. Prochaine fois, ben, je reviendrai. Et puis. Puis là, on va essayer d'aller dans cette galerie-là. J'espère que t'en chies un peu, quoi. Hein? T'en chies un peu, au moins. Pour l'instant, ça va. Là, le coulisse, donc c'est parfait. Je pense que c'est le nœud que t'as fait au bout, là. Ouais, mais bon, le nœud, il est pas assez haut. Il traîne par terre. Hein.
T'en chies un peu ou quoi? Hein? Mm-hmm. T'en chies un peu? Non, pour le moment, ça va. Ouais, chie, parce que t'es là pour en chier, mon gars. Tu montes ta poignée, ouais. Jusqu'à... Là, elle est un petit peu bloquée, la poignée. Ouais, bah tu te, t'écartes de la paroi avec les pieds, là. T'écartes un peu, puis hop. Voilà. Donc tu manques encore un peu, pas jusqu'au nœud. À un moment, le... Toi, tu seras avec, toujours avec le crawl, ouais. Et la poignée, tu vas le mettre sur la main courante. Okay. Tu vas continuer. Ah ouais, mais attends, parce que moi, j'y suis dessus. Attends, parce que tu vas me tirer. Ouais. Tiens, la poignée, là. Ouais. Il faut vraiment, c'est pas pareil. Mon crawl, il monte pas. Attends. Je comprends pas pourquoi il monte pas. Ben... du tout comment faire. Ah si, bah tu continues, monte ta poignée sur la main courante là. Attends, en fait, j'ai... juste que j'enlève mon pied là. Comme il y a. Voilà. Enfin, il faudrait que je monte là. Ouais. Voilà. Je t'avais dit que ça allait être galère. Là. Non, c'est pas si galère que ça. Bah putain, attends. Bah, c'est plus facile quand même. Tout petit peu technique, c'est tout. Pas galère. Oh merde. Aïe. Ah ah. Je vais me coincer les doigts. Ah ouais? Mais ça fait exprès. Bon là, tu montes encore, oui. Mais tu peux pas monter la poignée, pas jusqu'au nœud, parce qu'après tu vas être emmerdé, il te faut un peu d'espace pour l'enlever la poignée. Ouais. Ok. Ok. Voilà. Là tu continues un peu, de manière à ce que le crawl il soit un peu plus haut. Et puis là, la poignée, à un moment, tu vas l'enlever, tu vas la mettre sur la main courante. Ok. Enlever, tu la mets sur cette corde-là. Ok. Tac. Après le crawl, enlève-le. Et là maintenant, bah, prends la poignée, puis tu te hisses sur le côté, là, tu vois, t'as un chemin à côté, là. Ok. Voilà. Ah, ça monte, là. Ouais, mais ça c'est psychologique. En fait, c'est pas vrai. Hein? Vas-y, avance. Je
bonheur, non? Hein? Pas que du bonheur, là? T'as pas la gueule, là? Ah, si, ça commence à venir. Ça commence à venir. Je bouge plus, là. Bon, écoute. Ça gêne pour avancer. Dès que je peux, je te branle, ok? Ouais! Là, je peux pas. Oh, punaise! Ok. Bonheur toujours. Ça commence à brûler là. Hein? Enfin. T'aurais pu monter un peu plus, y'en a. Sur l'autre. Hein? T'as la longe dessus? Ouais. Ouais. Le contrôle? Ouais. Okay. Alors, elle est pas belle la vie là? Oh, il est dur. Hein? Oh, je vais rentrer chez moi, je vais boire. Putain. Elle est traînée d'eau non-stop. Putain, j'ai plus de flotte moi. Ouais. Ah. C'est un bon parcours. Un parcours pour tester le physique et le mental. Le mec qui arrive, c'est bon quoi. Il peut espérer avoir une aptitude. Hein? C'est ce que je vais faire. Il n'y en a pas mal qui resterait sur le carreau, je crois. Ouais. C'est dur, hein. Vas-y, monte encore un peu ta poignée là, et le crawl. Comme ça, après, tu pourras. Encore?
Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la vie? Hein? Ah, là? Ouais. J'apprécie. Génial, hein? Et j'apprécie les sorties, là. Qui va bien. Galère, mais aussi inquiétude, tu vois, c'est ça qui me tue. Hein? Ouais. C'est quoi, parce que. Ouais, là, c'est le stress de ma vie, là. Ah ouais, c'est un truc de fou quand même. Je croyais que j'allais mourir, franchement. J'étais là comme un con. Le truc, il se décroche. Tu sais, il y a une partie qui se décroche. Putain, je me suis accroché, je sais même pas comment, quoi. Je me suis éclaté le tibia, je me suis défoncé tout, quoi. Le coude et tout. Ouais, quand tu feras la mort, putain. T'as monté dans le sac tout seul, hein? Ouais. Comment t'as fait, là? Mais dans les crochets, je l'ai mis sur le dos et après j'ai dû l'enlever et tout. En même temps, je sais pas où il y a eu un crochet en fait derrière. Heureusement qu'il était là parce que putain. Tout seul, putain, galère. Hein. Chapeau. Ouais, mais non, mais quand tu crois que tu vas mourir là, t'as une force de je sais pas d'où qui sort. Hein. C'est un truc de fou quand même. Ouais. Il y a même le stress d'en bas qu'on est resté bloqué. Ah oui, bah ouais, en plus. Ça va. Le stress quand on était bloqué dans le petit truc là. Quel petit truc. La mémoire, vive la mémoire. Le petit trou à la con là, j'arrivais même plus à respirer. Ah ouais. Il restait bloqué. Ouais, bah, ça, bon, je m'en rappelle même pas. C'est un moment, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est l'inquiétude surtout. Je me suis dit, je vais revenir. J'ai envoyé en éclaireur là, pour qu'il. Ah, et je me suis dit, putain, ouais. Si ça se trouve, il s'est paumé. Comment t'as fait pour te retrouver? Parce que c'est un labyrinthe. Bon, encore ça va, parce que là, c'était la deuxième fois que je le faisais. Même moi, je me suis paumé. C'est ton père qui m'a dit. Ouais. Non, il faut ramper. Ouais. Sinon. Même moi, après, je suis monté, je me suis dit, c'est pas par là. Hein ouais. Avec la soif, il y en a marre et tout ouais, ça. Je commence à faire des conneries. Et puis, je me suis dit, ça se trouve, il est pas là-haut, lui. Ouais, les chiens, ils bougent. Tout à l'heure, il était là-bas. C'est pas faux, ça. Après, c'est un bon test. Hein. T'as plus d'eau, t'as plus rien. Ouais. Tu commences à être fatigué. Si tu vas réussir à gérer ton stress et. Ça fait combien de temps qu'on est dessous? Ouais, ça fait plus de 10 heures, ça fait même 11 heures, je crois. Je sais pas, il est. On est arrivé, je crois, il était 9 heures. Il est quelle heure? Ouais, 21h, 20h56. Putain, il est 21h là? 20h56. Ouais. Oh, ça fait 3 quarts d'heure que je suis là, j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure. Bon, alors c'était bien. En tout cas, on est sortis. Bah voilà, là je suis soulagé et je vais attendre le prochain. Hein. Oh putain. Mais c'est tout éclaté. C'était bon, on retourne à la bagnole le plus vite possible parce que là-bas j'ai une bouteille d'eau, figurez-vous, dans mon coffre. Ouais, carrément, plus d'eau. J'appelle vite mon frère et mon père. Ça va 21h, pas de nouvelles. Ah ouais, tu as dit que tu. Que je faisais de la spéléo, mais. Ouais. Ok, ouais. Le risque zéro n'existe pas. Putain, non.